C'est dans une ambiance festive et fraternelle que la communauté musulmane d'Argenteuil a tenu à célébrer l'Aïd el-Fitr de cette année. Ainsi, avec le concours de plusieurs associations et le soutien logistique de la ville d'Argenteuil, les enfants et leurs parents ont pu profiter de ce moment agréable juste après la prière. Une première à Argenteuil et beaucoup de parents ont tenu à témoigner leur reconnaissance ainsi que leurs remerciements aux associations à l'origine de cette initiative. La première fois qu'on a fait ça, on a récolté des dons. Masha'Allah, tout le monde y sont contents. Donc, on espère qu'à l'Aïd el-Kébir, on fera encore mieux, Inch'Allah. Mais chaque année, que ce soit pour l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd el-Hadda, à la limite, mettre plus de place pour les voitures. Parce que c'est vrai que ça a mobilisé quand même le parking. Trouver une autre solution au niveau de l'organisation pour pouvoir... Parce qu'il n'y a pas que des gens d'Argenteuil. Moi, j'habite Sannois et j'étais obligée de me garer à l'opposé de la mosquée pour pouvoir accéder à la mosquée. Mais sinon, c'est un très bon concept et en souhaitant qu'ils renouvellent l'organisation identique. Il y a beaucoup de musulmans à Argenteuil, tout ça. Et là, aujourd'hui, ça se passe bien. Il y a des stands, c'est tout nouveau. Donc, machallah, c'est bien. C'est exactement la première fois que ça se passe comme ça et voilà, aujourd'hui ça se passe bien, les enfants ils sont là, les mamans, tout le monde va bien, alhamdoulilah, voilà, tout le monde est content, ça se passe bien.